Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3, ici le Signe Noir et on va jouer avec nos elfes sylvains. On avait préparé le tour suivant, on est déjà en négatif parce que j'ai fait venir Akatsuki, un capitaine de clairière pour accompagner Shobiti. Je l'ai pris ce tour là parce que même si ça nous fait un petit malus de thunes, il sera déplaçable du coup au tour d'après. Donc comme ça on aura l'armée de Shobiti qui sera pleinement fonctionnelle, non elle sera pas pleine, mais qui sera quand même assez costaude dès le début du prochain tour pour pouvoir venir soutenir. J'ai aussi renommé un petit peu, hein, donc on a Malvinette qui est là maintenant, on a Aminou le comte qui nous a rejoint également. Il va y avoir d'autres personnes à renommer et également il y a des régiments à renommer. Je vais tourner un petit peu d'avance donc c'est possible que vous m'ayez déjà laissé des commentaires pour rejoindre. N'oubliez pas d'inquiétude, hein, ça sera pris en compte dès que je refais des tournages et dès que je vois vos commentaires. Donc un petit peu en décalé mais pas oublié, ça c'est sûr. Ce qui me fait plaisir c'est qu'il se galère avec sa corruption, le Skaven. Donc on va pouvoir assez vite s'en occuper je pense. On va passer le tour, on va voir ce que Métable décide de faire. C'est notre dernier adversaire direct, hein. L'orc est bien assez loin. Alors c'est dommage, il fallait qu'on fasse des batailles contre les peaux vertes pour notre confédération, mais on aura l'occasion d'en combattre des peaux vertes. En off, j'ai fait un petit tour des différents arbres attaquables. Sans grande surprise, la plupart des... Ah, il abandonne sa cité, ça c'est cool. La plupart des arbres ont une armée à l'intérieur, parce que c'est des factions qui sont pas très très mobiles, entre guillemets. Mais on a peut-être une ouverture. On verra quand il sera temps de se déplacer, mais on a peut-être une ouverture parce qu'il y a une faction qui est du genre à se répandre. Les gardes-sang ont été détruits, ok, c'était des hommes bêtes. Ah, les orques ont été détruits aussi, donc le haut hiérophante va pouvoir se faire plaisir vers le nord du coup. Enfin, s'il arrive à gérer Torox. Ah non, même pas, c'est un nain qui l'a pris. D'accord, le Strong Ancestral, ok. Eh bah écoute, pourquoi pas. J'avoue que je l'avais pas vu venir, mais ça nous arrange, hein. Nous, de toute façon, ce qui détruit nos ennemis nous arrange. Alors ici, il est venu poser un raid, mais pas chez nous. Ça pourrait être éventuellement une occasion de déplacer une armée, mais ça peut être un piège, hein, parce que cette armée-là serait à portée. Donc il pourrait l'amener en marche forcée et envoyer celle-là pour attaquer. En plus, elle a quand même deux assassins. Je crois que c'était deux lance-feu qu'il avait. Ou un lance-feu et une autre unité d'élite. Donc pour l'instant, pas une priorité. Par contre, la priorité, c'est clairement de choper ça. On va donc y aller de ce pas avec les sœurs. Donc, des Skaven, incroyable, on s'y attendait pas. On se les fait. Raser pour 1000 balles, ça vaut pas le coup. On va les prendre. On gagne une bannière de rapidité, plus 30% de vitesse. Voyageur. Décélération et accélération, plus 200%. Waouh! Impressionnant. Donc, il accélère et il court beaucoup plus vite globalement. Malvinette récupère une licorne. Parfait ça. Et on peut débloquer en reconnaissance au niveau max. Donc vu qu'il s'était avancé en marche forcée, il ne devrait pas pouvoir revenir vers nous en marche normale. Ici, ici. Est-ce qu'on se mettrait pas une pierre gardienne, vu que c'est un goulot d'étranglement? Je pense pas. On en mettrait peut-être plutôt une là. Parce que la plaine des chiens n'est pas dans les landes. Donc je pense qu'ici on va plutôt se prendre un truc qui nous donne un bonus. Un petit peu d'autorité, ici on est comment en autorité? Présence militaire 11, donc dès qu'on va enlever l'armée, ça va sauter. Donc je pense qu'on va prendre ça. Le petit bonus comme ça. Le petit bonus d'autorité et de corruption. Ici ça descend déjà. Et là par contre ce qu'on va faire c'est que toi tu rejoins. Et donc là on a un choix à faire. On pourrait attaquer la forêt hantée. La forêt hantée c'est une des factions majeures des vampires qui la tient.
Et c'est pour ça qu'il s'est cassé. On peut voir que la corruption là est en train de se répandre. Il s'est cassé, grossir. Toutes les autres forêts ont leurs défenseurs. Et notamment, j'aurais bien voulu aller chercher les bois mornes. Mais pour l'instant, il faudra vraiment qu'on y aille avec des grosses grosses forces. Il a pas l'air d'avoir envie de bouger. Il a lancé son bâtiment là, mais il n'a pas l'air d'avoir envie de partir très très loin. Donc il faudrait qu'on y aille vraiment en force pour le faire tomber. Alors que là, on n'a que la garnison. Bon, qui est pas neutre, hein. Il y a quand même des gardiens des cryptes, du lancier squelette, etc. Mais je pense qu'on pourrait la faire tomber, peut-être même avec l'armée de Chobiti. Qui n'est quand même pas neutre en qualité. Ça serait sans doute une bataille un peu balèze, mais qui n'est pas neutre en qualité. On a aussi la possibilité de laisser l'armée de Chobiti ici en défense pour l'instant. Et de prendre les Sœurs du Crépuscule pour les emmener au prochain tour, ce qui sera peut-être le plus fiable au final. Que là, hein, on voit du coup, si on prend les racines profondes, normalement. Alors on va vérifier quand même hein, que ça fonctionne. Il faut qu'on soit pas en garnison, je crois. Pour le faire. Il faut sortir. Voilà. Donc là, si on prend la forêt hantée. Est-ce qu'on peut? Ah oui, il faut sélectionner l'armée. Alors par contre, oui, il y a quand même un truc normalement qui est censé marcher, je vais vérifier. C'est que dans les seigneurs et héros, les armées, voilà, éligibles peuvent. Voilà, et là du coup, vous voyez, on pourrait se téléporter directement avec les racines profondes dans la région. Instantanément. Avec celle-là, non. Et ça c'est quand même très très fort. Alors sachant qu'on a maintenant sécurisé entre guillemets notre zone pas ici, ici, ce qu'il va falloir maintenant à l'armée qui va rester dans le coin, c'est éliminer les ennemis. Donc pousser, 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 en rasant des trucs. On va probablement pousser un peu par là également, peut-être directement jusqu'à Morati. Mais l'objectif ça va être de pousser pour raser des trucs et du coup par là même nous financer puisqu'on ne peut pas faire de revenus je rappelle hein, avec ça à part en rasant des trucs éventuellement dans les zones qui seront des goulots éventuellement par exemple ici etc poser des pierres gardiennes pour pouvoir tenir et faire perdre du temps aux armées qui avancent à voir. Pas forcément une fin en soi. Et du coup, notre armée des sœurs, qui est la plus costaude, pourrait partir en exploration. Sachant qu'il va falloir qu'on prenne un tour pour revenir dans cette zone. Alors, je crois qu'il suffit qu'on soit dans la zone, mais il faut pas qu'on soit en marche forcée. Donc, si on pouvait arriver jusqu'ici, ça pourrait suffire. Une autre possibilité, ce serait d'aller booster le chêne en envoyant notre armée ici. Faire ces événements qui sont en général des batailles mais pas toujours hein. Et du coup ça pourrait être intéressant. Après il faut savoir qu'on va avoir une quête normalement qui va se déclencher pour récupérer notre monture spéciale avec les sœurs quand on sera au rang 12, donc au prochain niveau, et qu'elle sera là dans ce coin là, enfin à moins que ça change, mais dans mes tests ça a été dans ce coin là. Du coup on pourra s'y téléporter, bon pour 500 balles ça serait une possibilité. Mais on peut les laisser dans le coin pour qu'ils aillent faire leur quête. Je pense néanmoins qu'on va envoyer les Sœurs du Crépuscule loin. Ça serait à mon avis plutôt adéquat. Ici. Pas là, non, ici. Voilà. Du côté d'Oberon, d'Oréon. Visiblement, la corruption empirique est énervée, donc Manfred est en pleine expansion. Et ce qu'on pourrait faire, c'est attendre qu'il aille éventuellement chercher un truc autour, une lande autour. Parce qu'en faisant ça, il va sortir d'ici. Et je rappelle que lui, on a l'étendue de la forêt d'Auréléon là. Si on remporte une bataille, on peut le confédérer direct. Du coup, s'il se casse et qu'on peut attaquer sa ville. Et qu'on gagne, bien sûr. On a moyen de le confédérer direct. Ce qui peut être intéressant.
Mais je pense que notre première cible, ce sera la forêt hantée. Voilà nos petites options, et ma décision, ça va être d'envoyer les sœurs du crépuscule. Donc, toi, on va te laisser là. Le bâtiment endommagé, on s'en fiche, comme d'hab. Le bois de la sorcière, on va économiser pour faire ce bâtiment-là. Enfin, économiser pour l'instant, on perd des sous, mais du coup, pour l'instant, on va économiser pour maintenir notre entretien. Et on va essayer d'aller rapidement se faire un peu de blé du côté de la forêt hantée. Alors, il va pas aimer, hein. Je sais plus comment il s'appelle, le seigneur vampire du coin. Il va pas aimer qu'on tombe comme ça et qu'on le titille un peu, bien évidemment. Mais c'est pas grave. Après tout, notre objectif, c'est pas de nous faire des amis, c'est de soigner les forêts. Et alors, si notamment il y a un truc qui est néfaste, c'est bien les vampires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit d'aller par là. La question, c'est est-ce qu'il y va pour nous? Il y va plutôt pour le haut hiérophante. Ça pourrait être un très bon plan, hein, si jamais il prenait ça. Ou qu'ils s'annihilaient les uns les autres, d'ailleurs. Le grand cerf est une créature révérée et adorée d'Athel Lorraine. Renommé pour ses propriétés magiques et éthérées, certains disent qu'il représente l'âme de la forêt elle-même. Au cours d'une chasse, vous vous retrouvez nez à nez avec un être des plus majestueux, une occasion qui ne se reproduira pas de sitôt. La forêt approuve la chasse comme une étape naturelle du cercle de la vie. Si vous parveniez à acquérir la ramure d'une telle créature, vous seriez porté au titre de maître de la chasse. Néanmoins, les éloges n'en seront pas moins nombreux si vous décidez de laisser la bête en paix. Alors, corruption moins 3, coût de recrutement pour les cavaliers, rang de recrutement pour les cavaliers et bonus de charge pour les cavaliers, ce qui nous intéresse pas plus que ça. Ou alors, puissance des tirs plus 10 pour toutes les armées. On va plutôt prendre ça, 750 balles. On peut se permettre d'investir 750 balles. Les sœurs du crépuscule, bah, et comme on est en train de construire, elle gagne un petit bonus, très bien. Alors, on va pas tergiverser plus. On va inverser nos positions. Alors attendez, d'abord, il faut que je regarde. Tu peux aller jusqu'ici. Donc on va aller jusqu'ici avec elle. Et est-ce qu'on peut les téléporter direct? Ça c'est la question. Si je garde l'armée sélectionnée et que je vais ici. Pardon, putain, faut que je garde l'armée sélectionnée, pardon, hop. On peut les envoyer là. Eh ben, on va les envoyer là. Cash. Hop là, en avant, directement. On va se mettre en embuscade. Donc on va prendre un tour d'attrition, hein, parce que là, corruption vampirique, ça va être la teuf. C'est 10 tours avant de pouvoir retraverser, il me semblait que c'était plus que ça. Donc là, on va partir du principe que notre ami ne va pas revenir tout de suite. C'est Hellman, voilà, Hellman Ghost, je me souvenais plus. Et on va essayer de lui tomber dessus. Il est en guerre contre des ogres, des orques et contre les véroleurs de Nurgle qui sont par là. Donc il a les mains pleines déjà. On est en intrusion contre lui, bien sûr. The Sisters of Twilight. On n'a pas le mouvement pour l'attaquer, hein, donc on va pas l'attaquer tout de suite ce tour-là. On verra si éventuellement il décide de revenir, bah on se mettra en mode campement et on se reformera avant de lui tomber dessus. Ici, rien de plus à faire. Et là-bas, du coup, avec Shobiti, on va pas aller le titiller lui. On va se contenter de se mettre en racine du monde pour aller par là. Éventuellement, au prochain tour, on pourra tenter un assaut sur les plaines des chiens si on peut. On va voir ce qu'ils font eux. Ils sont sur les territoires du haut hiérophante avec une tempête de sable, donc ils prennent cher. 20 unités par tour quand même qui disparaissent. Ça déconne pas. Est-ce que c'est le chef de faction lui? Ouais, c'est le chef de faction. Ok, très bien. Donc c'est parfait. Je pense qu'il a des bonnes chances. Remarque son armée. Ah non, c'est pas son armée principale. Je sais pas où il est du coup avec son armée principale. Il a qui comme ennemi maintenant que les orques ont été détruits? Le clan Gritus et Torox. Torox qui n'a que ça comme troupe. Hein. Et il a bien que 3 colonies. Donc il a ces 3 colonies là. Donc son armée, soit elle est dans une ville qu'on voit pas.
Parce qu'après tout, on fait que commercer, donc on voit que sa capitale. Donc peut-être là, soit il est parti en expédition éventuellement contre Torox, hein, c'est une possibilité. Mais cette armée-là devrait, je pense, être capable de gérer. Il est quand même assez faible, Skaven. Hein. Enfin, il a ces deux unités d'élite là, les foreuses, globalement c'est de la merde. Il est que level 3, le reste de son armée c'est quand même passable. Hein. Avec des archers, il est capable de les dépiauter. Hein. Mais là, il y aura peut-être une belle garnison, on verra ça. On a de quoi tenir deux tours avec notre thune. On va donc se lancer du coup. Hop. Non, ici. On va se mettre ici pour observer les mouvements éventuels d'Hermann. Et au prochain tour, on tentera un assaut. Alors, ok. Ouh, il est passé à 19, ou c'est une autre armée? Non, il était en train de recruter, il est passé à 19 et du coup il lance un assaut et il les a mais défoncés. Défoncés quoi. Donc l'option du Skaven qui va prendre la plaine des araignées n'est plus vraiment une option. Impressionnant, il a tellement. Il est costaud hein, le roi des tombes, parce que les orques il les a rasés, le Skaven il les a rasés. Ça déconne pas. Du coup il a recruté un agent là. Ce qui veut dire qu'il a quelques bâtiments quand même. Alors ici, il n'est pas revenu. On va donc lancer l'assaut. On déclare la guerre. Pas d'alliés. On y va. Et ce sera une victoire décisive. C'est parti. Et donc, on ensemence la forêt hantée. On gagne le hachoir des reins. Ok, pourquoi pas. Et un jeune cerf. Et on a donc une petite forêt bonus. Alors avec la thune qu'on a, on peut faire ça. Sans de revenus et des cages, pourquoi pas. Le bâtiment spécial qu'on a, grand aigle et dragon des forêts. Ouh, pas mal. La garnison, on n'a pas l'argent. Et là, on n'a pas ce qu'il faut. Ça nous prendrait quand même pas mal de sous, mais ça nous permettrait de rééquilibrer. Donc on va le prendre. On est niveau 2. Bon, niveau santé de la forêt. On est à moins 3 donc ça va pas être tout de suite. Donc il y a ça qui lui appartient. Là ça appartient au Vérôleur. Quoi d'autre? Ça appartient à des ogres je pense. La Zargue. Royaume ogre, ok. Et où sont les autres? Baie des Décombres et Montseug. Pied de Port. Ah il a visiblement. Je les vois pas les autres mais. Ça appartient à... ça doit appartenir au vampire parce que c'est du rouge. Peut-être par ici. Ok, mais on a récupéré une forêt et pour nous déloger, il va falloir se lever tôt. Ici. On va prendre l'augmentation de mobilité. Très important. Et les sœurs du crépuscule. Alors la corruption, ça va se faire. On peut prendre le temps. Le réduction du temps de rechargement qui en plus augmente notre puissance des tirs visiblement. Et bah pourquoi pas. En avant, prenons ça. Qui c'est qui a pris la bannière? Bannière de rapidité. Tu vas la prendre à la place de. Je sais pas ce que t'as enlevé. On va enlever ça. On va prendre l'esprit de la forêt, on le garde. Là. Toi, Akatsuki, mon cher Akatsuki, tu vas prendre le compagnon faucon pour gagner un peu en portée. Et tu vas prendre le hachoir à des reins. Et Shobiti, elle va nous prendre la bannière épouvantail. Ici, on est à 2 sur 3. On pourrait améliorer le pendentif de dragon ou le masque. On va prendre le masque pour Shobiti. Le masque du dragon, plus de revenus et la capacité passive, armure en moins 7, défense en mêlée. Pour les ennemis à portée, ça peut être pas mal si jamais elle se retrouve au combat. Elle en sera très heureuse. Alors maintenant, Shobiti, si on te met en marche normale, tu peux lancer un assaut là-dessus, et ça c'est parfait. On va y aller.
voir un peu ce qu'on nous propose à l'intérieur. Une défaite valeureuse quand même. Hein. Ah ouais, il y a du courant nocturne. Beaucoup de guerriers des clans avec boucliers. Ça risque effectivement d'être tendu. C'est vrai que ça marche que sur les unités volantes, j'avais oublié. C'est un peu naze du coup. Bon, on va le mettre sur des tireurs, puisqu'il y a plus de chances que ce soit eux qui se retrouvent à attaquer ça. Bon, ce qui veut dire que du coup, l'avantage c'est que... Oh là, je n'ai même pas assez nombreux pour faire ça en un tour. On va continuer le siège. On sait que ses armées se sont fait raser. Mais il en a une autre. Ah, il en a une autre. Il en a une autre quelque part. On est un peu trop faible peut-être là. Un peu trop ambitieux. On va rompre le siège. Tant pis. On peut se passer en embuscade. Reculer un peu. 40% de chance d'embuscade, c'est pas ouf. On est un petit peu trop faible là pour tenter le diable, parce que s'il arrive avec une armée, normalement il doit être voilà, il doit avoir là une autre ville, c'est peut-être sa capitale. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va nous falloir un peu plus de force avant. Ce qui veut dire plus de recrutement, ce qu'on est tout à fait capable de faire. Hein. On va voir si lui décide de pousser ou pas. Le bâtiment endommagé, on s'en fout, du coup on garde nos petits sous et on termine le tour. On a déjà fait un mouvement assez intéressant je pense avec l'arbre qu'on a snipé. Ok, il préfère se replier, ça me va. C'est pas que ça me donne des gros bonus, mais si on pouvait raser ça, ça nous ferait de la thune. Alors, ok, il revient. Bon, en tout cas, il se déplace. Qu'est-ce qu'il fait? Rambert von Schwarzelen. C'est pas le... C'est pas Hermann. Mais il revient en marche forcée, peut-être, pour essayer de nous faire tomber. Bon, c'est pas avec cette armée-là qui va faire grand-chose. En plus, elle a une peste. Sa capitale est ici, maintenant. Une quête vous a été proposée, puissant seigneur. Une grande aventure vous a... Ouais, donc voilà. On a la quête pour récupérer Saitinhar. Les énigmatiques sœurs du crépuscule sont les maîtresses d'animaux sauvages. Un avantage qu'elles utilisent avec une redoutable efficacité lorsqu'elles combattent juchées sur leurs montures volantes, qui leur permettent de traverser les cieux déchirés par la guerre. Gwynwaldor, le grand aigle, et Saitinhar, l'intrépide et fougueux dragon des forêts. Saitinhar n'a pas répondu aux derniers appels, provoquant l'inquiétude de Naestra et la colère d'Arahan. Les elfes noirs l'avaient capturé, mais étaient tombés peu après dans une embuscade des hommes bêtes qui s'emparèrent à leur tour du dragon. Les sœurs savent où commencer à chercher les enfants du chaos. Dans l'enclave forestière, près du creux des bois de la sorcière, leurs éclaireurs avaient repéré leurs infâmes pierres des hardes, la seule preuve tangible de la présence des hommes bêtes. Donc on se ferait 5000 balles, reconstitution des victimes. On gagne Saitinhar bien sûr, et on a la possibilité d'invoquer... D'accord, on peut invoquer l'aigle quand on est sur le dragon, et on peut invoquer le dragon quand on est sur l'aigle. Ok, très bien. Intéressant. C'est plutôt cool. Mais... Je suis pas sûr qu'on soit en état de le faire tout de suite. Encore des murmures lointains. Ah, c'est du côté de la forêt de Lorelorn cette fois. Ah, l'épée de Kane a été récupérée. Alors attendez. Rendez-vous à cet endroit, je le vois pas là. Je vois pas la quête, mais bon, ok. C'est juste en dehors de notre champ de vision. Ouais, ici je pense qu'on n'est pas en état de, avec les sœurs du crépuscule, de retourner taper sur des gens comme ça. Là, vu le contexte, on va prendre un petit supprimer la corruption, même si on s'en débarrasse quand même déjà pas mal.
Aminou, mon cher Aminou, peut-être qu'il va être temps de te rendre un peu plus efficace. C'est parti pour les flèches de Kurnos. Niveau reconstitution, c'est correct mais pas dingue. Niveau recrutement, non, ça vaut pas la peine de dépenser notre argent pour ça pour l'instant en tout cas. Là, il pourrait venir jusqu'à nous, mais bon, voilà quoi. C'est bizarre parce qu'on dirait l'armée d'origine de Hellman, mais c'est pas Hellman. Peut-être qu'il s'est fait blesser. Et il répond à la corruption de Nurgle, mais ça fait pas d'attrition ou quoi que ce soit, donc il se reforme. Enfin, c'est pas avec des zombies qu'il va venir nous emmerder, hein. Baie des décombres, mon seuil, pied de porc, beffroi de ferraille. Roc écorché. Non, pas roc écorché. C'est pied de porc qu'on ne voit pas. Pied de porc, on le voit pas. Ouais. Lui. Il nous aime bien. Aversion moins 100. Ouais, il nous aime bien. Enfin, voilà. Il nous apprécie un peu mieux à chaque tour, mais. il nous déteste. Ce qui me paraît plus logique. Ok, donc on frappe probablement la quête, mais pas tout de suite. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre au moins que l'usure soit diminuée, parce que si on sort, on se téléporte et on revient et qu'on passe un tour encore à prendre de l'attrition, on sera dans le mal. Déjà qu'on sera probablement dans le mal après le combat. Donc on va attendre de se reformer un peu plus. Au niveau des quêtes, 20% de chance de succès d'embuscade, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Plus de déplacement. Après on débloque quoi? Revenu des vignes plus 5%, plus de reconstitution mais pour les dryades et compagnie. Là, plus de niveau, immunité à l'usure due aux tempêtes et aux récits, revenu des ports plus 100%. On peut avoir des ports? Ok, on peut peut-être avoir des ports. Et là, revenu des bâtiments de chasse, plus de puissance des armes pour les faucons et les aigles, c'est pas mal. Là, on est plutôt sur l'infanterie, hein, mais je pense qu'on va partir par là du coup. On est plutôt sur les bêtes et l'infanterie de ce côté-là. Tous les elfes, plus d'amélioration pour les dragons. Unité et monture. Commandement pour tous les elfes, chance de trouver des objets magiques. Ouais, on va partir sur cette branche-là pour l'instant. Ça me paraît plus intéressant. Alors, toi tu t'es déplacé, mais tu fais rien. Le bâtiment endommagé, on s'en fout. Et Chobiti. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi, du coup? Ça, c'est une cité mineure. Ça pourrait être intéressant d'aller voir si on peut pas la faire tomber plus facilement. Ça doit être le pic tyran, je pense, à sa capitale plutôt. Là, ça serait un bon endroit pour une pierre gardienne, hein. C'est un vrai bon goulot d'étranglement. Et si ça tombe et qu'on sait que du coup il pourra pas recevoir de renfort, enfin, il pourra en recevoir, mais avec les racines, enfin avec les souterrains. Du coup, avec les souterrains, on n'a pas trop de problèmes à le voir venir, quoi. On pourra aller s'occuper des plaines des chiens. Ici, c'est stabilisé. Bon, ça va. 5 garnisons, ça se refait. Ici 5 garnisons pleines, mais bon, c'est vraiment pas. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a une garnison, quoi. Honnêtement. Ce serait cool d'avoir une tech ou quelque chose qui dise voilà, plus 2 unités dans les postes de guet, parce que les postes de guet ils sont franchement pas très utiles, quoi. Mais bref. On va passer le tour, voir un peu ce que nous proposent nos vilains ennemis. Voir si ici il y a quelqu'un qui sort, une armée qui se pointe et qui décide de nous emmerder. C'est tout à fait possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Ok, intéressant. Fais ta vie, j'ai envie de dire. Le nombre de factions diminue doucement. Hein. Ah, alors voilà, le clan Gritus. Qu'est-ce qu'il va faire?
probablement nous attaquer parce que je vois pas trop ce qu'il fait. Non, il est en marche forcée. Il s'est fait prendre en embuscade. Intéressant. Qu'est-ce qu'il a de beau? Trois lance-feu masse-flamme. On a du tireur, mais on n'a pas de cavalerie ni de volant. De l'esclave, des foreuses. Un assassin. Et il est niveau 1, c'est son mec de base. Infanterie aux armes hybrides. Une belle puissance des armes quand même, hein. Mais globalement équivalente à notre capitaine de clairière. Pour un seigneur, c'est pas ouf. On a de la magie. Même si on a qu'un seul sort, je crois. Les miasmes, là. Ah non, on a l'affaiblissement aussi. Les miasmes et l'affaiblissement, ça c'est cool. Donc on va pouvoir bien utiliser notre magie. Je pense que cette bataille, on peut la gagner. Et on va même la faire tout de suite, même si l'épisode est déjà à 30 minutes. On va la faire pour le plaisir. Ça fait quelques épisodes qu'on en a pas fait. En plus, on est en embuscade, on va pouvoir laminer les lance-flammes direct. Tout en laissant nos unités d'infanterie loin, si on peut. Le défenseur n'a aucune chance de se déployer pendant une bataille en embuscade. Le 40% de chance d'embuscade, j'avoue que je pensais pas quoi. Mais bon, 40%, c'est toujours 40%. Hein. Alors, 18 de magie, ça me va. Je laisse le temps de lancer quelques sorts. Alors là, ça, ça n'a pas une grosse portée. Ça, ça a une plus grande portée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Les foreuses sont là. Les lance-feux sont là. Donc là, on va pouvoir dépioter les lance-flammes. On va mettre des petits lanciers devant. Les foreuses, j'aimerais bien quand même. Je pense qu'on va utiliser cela du coup pour se les faire. Du coup, on va avoir deux groupes. Un groupe qui sera ici avec cela. Leurs seigneurs, ils sont où? On les voit pas. Ils sont planqués, mais ça c'est plutôt l'arrière, donc ils sont plus probablement devant normalement les seigneurs. Donc le capitaine, il va aller là. On va mettre les danseurs de guerre. Alors pas dans le, pas dans les troupes, voilà, plutôt ici. Le capitaine devant. On va mettre quelques lanciers là également pour protéger les archers et aller charger. Et toi, tu vas aller ici. Est-ce que tu es à portée pour ton miasme? Si je te mets le plus proche possible, t'es pas vraiment à portée, donc bon, c'est pas grave. Guerrier des clans. Ah oh oui, mais t'es censé perdre, mais oui, je suis compté. T'es une lanceuse de sort, donc normal. Alors, la pause 2 secondes, le temps de lancer, voilà, les tireurs, hop. Et sur les foreuses. Là, on va charger. Foreuse, foreuse. Ici, il faudrait aussi qu'on les chope. Ça, c'est du Skaven esclave. On va envoyer là-dessus. On va garder juste une unité pour défendre. Toi, tu vas passer encore à corps. Et tu vas charger également. Tu vas peut-être plutôt charger dans le coin pour essayer de découvrir le seigneur. Du coup, toi, tu vas rester là. Et toi, tu vas charger ces guerriers des clans. On va essayer d'immobiliser ça. Pendant qu'on tire dessus avec nos unités de distance, c'est parti. Ça y est, on voit le seigneur, ok. Donc, expert assassin. Et l'autre, il est où? On le voit pas, l'assassin, pour l'instant. Mais donc, du coup, c'est parti, toi, tu charges là-dessus. Ok, on a découvert, il est là. On tire, on a la Mimi Life. Là, on est un peu moins efficace, là, par contre. Parce qu'ils ont continué d'avancer. Alors là, il va falloir qu'on se replace si on veut éviter les lance-feu. Ouais, ils sont déjà en train de tirer, là.
Go, tirer sur cela aussi. Vu qu'ils nous tournent le dos, on va les charger. Pas se permettre de laisser des unités à l'arrière qui ne font rien. Ok, ici c'est déjà la baston. Comment ça se passe là? Il y a les foreuses qui ont fait quelque chose visiblement. En plus ils sont fatigués, ouais c'est vrai, ça c'est cool. Akatsuki est bloqué par des guerriers des clans, ok, pourquoi pas. Il va falloir qu'on les neutralise rapidement. Ils sont en train de nous choper là. Reculez. D'ailleurs, vu qu'ils sont en train de se déplacer, chopez-les. Alors, ils ont généré des gens ici. Putain, les relous. C'est pas trop grave. Là, on a quasiment mis Milife l'assassin. Par contre, ici, les danseurs de guerre, ils se sont fait défoncer par les foreuses, probablement. Essayer de les choper de dos. Le capitaine, il est dans la bataille. Toi, il va falloir que tu te grouilles de te rapprocher. Là, on s'occupe de ça. C'est clairement ceux qui me font le plus peur. Mais maintenant qu'ils sont engagés, par contre, on va pouvoir commencer à tirer un peu dans le tas. Probablement sur les foreuses plutôt. Toi, tu peux commencer à faire un peu de dégâts par-ci par-là. Là, on va continuer. Mais là, on va les prendre en sandwich. Donc, on va commencer à tirer dans cette grosse masse d'unités là. Ici, il nous faut une charge de dos. Le garde éternel est en galère. Alors toi t'as lancé ton sort, c'est parti, un peu bon, il faut du malus sur les foreuses. Les foreuses sont en déroute. Donc du coup plutôt sur les guerriers des clans. Toi t'es au fight, tu fight. Ici, il faudrait qu'on essaye de s'occuper de lui. Il est parti où l'assassin? On a une foreuse en déroute. Là il y a les guerriers des clans qui sont au contact. L'assassin on se les fait? J'ai pas fait gaffe peut-être. Essayez de neutraliser lui. Ah non il est là. Il est en train d'essayer de faire le malin. Ici on va essayer de prendre les lance-feux en sandwich. Tire là-dessus toi, ça c'est en déroute. Ouh là là, c'est la grosse déroute des esclaves là. Ok, il a généré un truc ici. On va lancer juste avant. Ah putain, bon, il s'est fait choper au contact, dommage. Alors, comment ça se passe? Alors là, il nous a mis quoi? Lame suintante, ok, un peu moins d'armure, mais c'est pas ça qui a fait des dégâts. Ok, là ils sont en train de crever. Ici, c'est plutôt en déroute. Hop, alors c'est du Skaven, hein, donc ils vont entrer en déroute et revenir et repartir et revenir, hein, classique. Il faut donc qu'on essaie de leur faire le plus mal possible pendant qu'ils sont en déroute. Notamment ces foreuses là qui m'emmerdent. Et là, je suis pas convaincu qu'on gagne ce combat. Hein. Voilà, par contre, on va filer un coup de main à ça. Vous dégagez-vous. Les Skaven esclaves, ils vont partir en couille. Ah, ça c'est en déroute totale, ça c'est très très bon.
Ça c'est en déroute. Les lance-feu, vous, vous allez essayer de vous les allumer un peu. Là, on va les ramener un petit peu de force dans le dos et on va commencer à partir par ici pour filer un coup de main. Warriors of Ariel, I hear the forest. L'assassin il court un peu dans tous les sens. Tirer là-dessus, non. Tirer là-dessus plutôt. On va envoyer ça là. Vous, là ça c'est de la déroute. Ça, ça, ça c'est en déroute. Le seigneur il va craquer. Ils vont peut-être craquer hein. Avant même d'avoir le temps de se reformer en fait. Là, la charge de dos devrait bien leur faire du mal. Je sais pas ce que c'est. Dans le doute on va bouger. Ouais, ok, c'était là. Invocation. Bon, on va essayer d'utiliser toutes nos flèches possibles. Et nos petits sorts. Pour faire le plus de dégâts possible. Alors ouais, parce que les lance-feu et malflamme on les a pas éliminés. Toi, tire sur ce que tu peux tirer. On fait un maximum de dégâts, on les laisse courir un peu, on tire nos flèches. Voilà. Ouh, ça fait du bien le miasme là. Allez, c'est bon, on s'arrête là. Victoire de justesse, moi, c'est jamais qu'une défaite valeureuse, hein. On va pas se mentir. Bon, on a une unité qui a été totalement annihilée, je sais pas du tout par quoi. Je sais pas si c'est les foreuses qui ont un pouvoir qui permet de faire ça. Mais ils ont pris hyper cher, les pauvres. Ce qui est dommage, hein, c'était une unité d'élite, mais bon. Bah, je saurais, il vaut mieux envoyer les gardes éternels sur les foreuses. Elle a fait le taf hein, avec son sort là. Lui il a un petit peu plus galéré que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'il est bas niveau. Donc face à des masses d'unités c'est compliqué. Si votre empereur requiert vos services, vous avez intérêt à vous exécuter. Ou on vous exécutera. Simple et efficace. Du coup on va prendre la reconstitution clairement. Donc là je pense que c'était sa dernière armée. Ça va lui faire mal. Ça va lui faire très mal. Du coup ça veut dire qu'on va peut-être poser plutôt une pierre d'invocation. Alors on a quoi? Un habitant de la forêt a quitté son enveloppe charnelle pour ne faire qu'un avec les bois. Une question se pose alors. On pourrait le sacrifier dans les flammes d'un bûcher ou enterrer profondément dans le sol. On pourrait l'enterrer. Croissance plus 15 et moins 25 de recrutement pour les différentes unités d'esprit de la forêt. Plus 10% de taux de reconstitution, pas mal. Entretien moins 10 pour tous les elfes. Ah bah ouais, on va brûler le corps. Voilà, ça, ça va nous remettre un peu dans le bien. La torque du fléau des plumes. Ok, un chien de chasse. Pour Akatsuki, ça c'est pas mal. Confédération avec des orques, ok, pourquoi pas. Donc ici, un petit niveau. On va prendre les merveilles de la forêt. Et Akatsuki... Et eh ben j'ai envie de dire que tu vas augmenter la mobilité. Alors du coup avec une armée de moins, est-ce qu'on va pouvoir faire tomber ça? Oui, ce serait quand même une victoire décisive. Bah on va la prendre. 3000 balles si on rase. On va prendre les, 3000 balles. On y retournera après, on sait que de toute façon il a pas vraiment d'armée pour gérer. Alors c'est quoi le truc spécial de l'ombre? Vitesse plus 10% pour toutes les unités quand on lance un sort. Ok, on peut aussi améliorer l'affaiblissement, le miasme. Moins 25% de vitesse, il fait quand même des dégâts très intéressants. On va prendre le miasme. Et toi tu vas prendre la danse, mon cher. On a un coursier au rang 4, hein, ça va assez vite. Hein. Bon, du coup, on sait pas se reformer. Mais bon, c'est pas grave, on a nos archers au pire pour faire le taf. Ah, ici on a annihilé la corruption de Slaanesh, tiens, en prenant la cité. Intéressant. Et on a pas mal de sous. Avec ces pas mal de sous, combien il nous faudrait là? 9500. On va plutôt aller chercher là-bas, je pense. La forêt hantée, on pourrait se permettre du coup de faire
une petite garnison. Et ça, on n'a pas assez encore. Du recrutement. Le bâtiment ici nous permet de recruter des aigles et des dragons. Donc ça veut dire que cette ligne-là est moins intéressante. On pourrait aller chercher des archers. Est-ce qu'on a, on n'a pas de quoi? Ouais, et même pour ça, même pour la forge, il nous faut de la croissance, quoi. Donc il va nous falloir clairement aller chercher les trucs autour. Si on veut pouvoir si on veut pouvoir grossir cette forêt, il va nous falloir les landes. On va aller chercher une amadriade, donc on va prendre le bois hanté. Et avec le reste de nos sous, on va voir si on peut pas agrandir. Ouais voilà, je vais en reprendre un peu plus de sous là. Ou alors, ce truc là. Là on gagne 300, mais ça nous prend un emplacement. J'aimerais bien aller chercher ça. On n'a pas assez de sous. On les aura pas au prochain tour non plus. Donc on va... Quoi ? Non pardon, c'est ce qu'il faut que je fasse ici. On va investir 1400 pour aller chercher le plus de vin. Alors, les sœurs du crépuscule sont en garnison, mais elles vont rien faire. Le bâtiment endommagé, il se répare tout seul. On est prêt à passer le tour et on va arrêter l'épisode là du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, un petit nom pour un régiment ou un héros. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.